Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Moi, c'est Passy le Beauty pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est pour la première fois que vous êtes là, faites un stop, abonnez-vous. Ne manquez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons faire un soin visage. Oui, sur notre chaîne, nous avons souvent des soins visage, beauté, conseils de femmes, conseils de vie et tout. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le soin de corps. Oui, avec beaucoup de produits dans notre cuisine, nous avons tellement de choses que nous pouvons faire à petit prix. Nous pouvons avoir un teint sublime, clair et glow, comme on dit, glow, un teint qui brille naturellement, sans aucun effet secondaire, avec des produits bio. Vous savez, j'aime l'entretien de la peau. Je suis désolée pour le décalage entre ma voix et les gestes, mais j'ai fait la vidéo, je ne sais pas où le son est parti, donc je suis obligée de reparler maintenant pour vous dire à peu près ce qui va se passer. C'est vrai, j'ai raconté beaucoup de choses que j'ai déjà oublié l'inspiration de la vidéo. Mais bon, ce qui est sûr, nous sommes là pour parler de beauté. Les gens ont passé le temps à me demander. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que j'ai vraiment increase, comme on dit. Ma peau est partie, mon teint est parti vraiment d'un baigné de maïs, comme on dit souvent, visage plein d'acné, avec une très grande différence entre mon visage et mon corps. Mon visage qui était bien plus noir, le corps clair. Et la balance là, c'est ça que je recherchais, et j'ai finalement trouvé ces balances avec ma gamme de produits que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et que vous utilisez. Monet, je vous ai présenté ça dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder la vidéo. Je vais vous laisser le lien là en haut et vous pourrez regarder la vidéo. Donc, ce sont ces produits qui m'ont aidé à faire éclaircir mon visage. Ne vous démentez pas, on ne parle pas de décapage, à éclaircir mon visage afin qu'il ait la même couleur que mon corps. Comme vous voyez là, vous voyez mon cou et mon visage. Il n'y a plus ce grand décalage qu'il y avait avant. Le travail se fait progressivement et lentement parce que ce sont des produits vegan. Vegan, ça veut dire quoi? Bio, naturel. C'est un mélange de 13 plantes et d'huiles essentielles. C'est superbe comme produit. C'est ce que j'utilise sur mon visage maintenant et sur mon corps. Ce sont toujours mes propres produits. Je dis merci à tous mes clients de partout, surtout ceux de la France, ceux de Dubaï. Parce que, on va dire pourquoi surtout, parce qu'ils sont loin. Et ceux du Cameroun, j'ai envoyé un pack de savon au Cameroun. Tout est fini, tout est fini au Cameroun déjà. Je dis merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un gommage que vous pouvez faire vous-même, ce que j'utilise une fois par semaine sur ma peau pour créer tout cet équilibre. Et soulignons, je n'utilise pas ce même gommage sur mon visage parce qu'il est un peu agressif pour le visage, mais pour le corps, il est parfait et super. Nous allons partir maintenant dans ma cuisine. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour satiner, faire briller ma peau et la rendre aussi douce et propre. On se retrouve après la vidéo. Pour faire cette recette, nous aurons besoin de 5 cuillères à soupe du sucre roux ou sucre blanc, celui que vous avez. Moi, j'ai toujours du sucre roux à la maison, donc c'est ce que j'utilise. Et le sucre, il est très bien pour hydrater la peau. Il nous aide à faire pénétrer en profondeur les autres ingrédients. Là, c'est de la farine de riz. J'ai plus simplement du riz que j'ai écrasé à ma pierre à écraser. Et nous aurons besoin de 4 cuillères à soupe de la farine de riz écrasée avec ce que vous voulez. Je voulais vous montrer, mais aujourd'hui, ma caméra fait tout ce qu'elle a fait et j'ai perdu des vidéos. Ce que je verse là, c'est le noyau d'avocat. Ça, c'est le noyau d'un avocat que j'ai fait sécher et j'ai bien écrasé. Et nous ajoutons
Le zeste d'un bon citron, un citron jaune avec les pépins à l'intérieur, c'est ce qui est bien. Et là, nous allons ajouter du beurre de l'huile de coco. J'ai ajouté 5 cuillères à soupe d'huile de coco. Là aussi, apparemment, j'ai perdu une vidéo. 5 cuillères à soupe d'huile de coco. Nous allons bien mélanger. L'huile de coco est très bien pour le gommage. Quand vous faites les gommages, que ce soit pour le visage, sur le corps, l'huile de coco assure. L'huile de coco est un très bon exfoliant. Il embellit la peau, la rend douce, satinée et l'hydrate. Quand vous allez faire ce gommage, l'huile va rester sur le corps. Cette huile va rester sur le corps et va hydrater, nourrir votre peau. C'est ce qui va la rendre douce et le glow va se manifester. Tout ce mélange est super pour votre peau. Vous allez essayer et venez me dire en commentaire une fois par semaine après votre bain le soir, vous vous gommez la peau avec ce gommage. Je vous assure, le résultat, il est magnifique. Donc là, je me suis d'abord lavé les cheveux. Je me suis gommé le cuir chevelu. Oui, nous avons le gommage pour les cheveux dans notre gamme Monet. Le voici, un gommage pour et shampoing en même temps. Je l'utilise avant de poser mon masque pour cheveux. Donc là, ensuite, on va se gommer le corps. J'ai pris mon bain. Je me suis lavé d'abord, j'ai pris ma douche. Maintenant, je vais gommer le corps doucement en profondeur et je vais laisser quelques minutes, comme 5 minutes sur ma peau. Et je vais rincer avec de l'eau tiède. Je vais me rincer simplement et appliquer ma crème pour l'eau. Donc, sur mon visage, je n'utilise pas le même gommage. Voilà celui que j'utilise. Il est au Berries, il est bien, il est gommage et en même temps masque, donc j'ai pas besoin d'acheter un masque aussi. Vous pouvez imaginer ça, un gommage qui est en même temps un masque. Donc voilà la routine que je voulais vous présenter. Le gommage est très essentiel pour la peau. Sans le gommage, les produits ne vont vraiment pas travailler sur vous. C'était tout, ma famille. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne manquez pas, comme toujours, de liker et de partager comme vous le faites toujours. Pour vous, les nouveaux abonnés, ne manquez pas, de me dire en commentaire que oui, je suis nouvelle, j'ai aimé la vidéo, j'ai pas aimé la vidéo. Donnez-moi votre avis. Je suis ouverte. Et vous tous qui êtes toujours là, ne manquez pas de me dire si vous allez essayer le gommage, alors si vous avez essayé le résultat que vous avez obtenu. Sur ce, je vous dis merci, mes beauties. Si vous avez plus de questions sur tout ce que vous avez vu tout à l'heure, ne manquez pas de me joindre sur Instagram et me poser toutes les questions. Je vous laisse mon Instagram ici. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous love. Bye!